J'enregistre cet audio boost depuis un nouveau mastermind. Pas celui où j'étais la semaine dernière, que j'ai quitté du coup parce que ça faisait un an maintenant que j'étais, celui de Romain Collignon. Et là, j'ai rejoint celui d'Alexandros. Et je ne vais pas te malarner de mastermind aujourd'hui, même si c'est un sujet passionnant, mais je vais te parler du hot seat qu'on a fait. À tour de rôle, chacun, durant ce mastermind, passe devant tout le monde avec un challenge. Alors, ce n'est pas obligatoire, hein. On expose son challenge et puis pendant trois quarts d'heure, tout le monde nous apporte des solutions, des réponses, des questionnements. Et bon, au début, je voulais parler de choses un peu superficielles, hein, du style comment créer un planning éditorial qui soit efficace et qui m'apporte des prospects, tu vois, des trucs passionnants parce que j'aime beaucoup le marketing, j'aime beaucoup créer du contenu. Et puis, je me suis dit, allez, on va leur apporter un truc lourd. Je suis là pour me rendre vulnérable, pour être challengé sur des choses profondes dont je n'aurais pas forcément l'opportunité de le faire à d'autres occasions. Et du coup, j'ai parlé de ma peur de réussir, qui est une peur inconsciente parce que consciemment, je l'ai identifiée, je l'ai comprise. Alors, je ne vais pas te faire tout le résumé de ce qu'on s'est dit. Mais par contre, il y a un point sur lequel j'aimerais porter mon attention, c'est cette notion de bonté. À un moment donné, on me demande que veut dire ton prénom. Et je lui ai dit, Ling, ça veut dire esprit vif, et N, bonté. Donc mon prénom, mon nom veut dire été. Et donc, si tu veux que je te la fasse en chinois, ça se dit Xia Ling En. Et du coup, alors moi, je ne suis pas trop dans ces trucs-là, normalement, mais je suis ouvert d'esprit. On m'a dit, voilà, souvent, le choix de ton nom va, qu'on ne me l'a pas dit comme ça, hein, mais va influencer un peu le cours de ta vie. Et c'était très fort, parce que je pense qu'ils avaient un peu raison. Le fait qu'on m'ait appelé Lingen, donc N voulant dire bonté, eh ben, j'ai eu peut-être plus tendance que la moyenne des gens à mettre un focus là-dessus. Pour des très bonnes raisons, j'espère, hein, en tout cas liées à ma foi, quoi, je le sais, c'est juste que je ne suis pas non plus Mère Teresa, tu vois, mais aussi pour des mauvaises raisons. Notamment, la volonté de plaire aux gens. C'est une fausse apparence de la bonté. Je veux plaire aux gens, je veux être agréable pour les autres, pour leur apporter, voilà, pour leur apporter quelque chose d'agréable, mais au fond, je cherche à ce qu'on m'aime en fait. Autre manière d'être bon, d'être faussement bon, c'est d'être calme, de ne pas déranger, d'être discret pour laisser plus de place aux autres. Et en fait, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de trois manifestations possibles de la bonté qui peuvent transformer ton business et ta vie. J'aimerais te parler de la bonté en étant authentique, de la bonté en étant fort et de la bonté en étant un leader. Alors, la première chose, c'est que c'est important d'être toi-même, d'être bon en étant toi-même, en étant authentique. Pourquoi? Parce que si on est bon en étant quelqu'un d'autre, déjà ça se sent. Je ne sais pas toi, mais moi je le sens. C'est typiquement, j'ai l'image de quelqu'un de timide. Une personne qui est timide, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ne veut pas déranger, veut laisser plus de place à l'autre. Sauf que, en n'étant pas toi-même, tu te mens à toi-même. Et il y a un conflit intérieur qui n'aide pas non plus les autres. Et ça, c'est important que tu sois toi-même. D'ailleurs, c'est un peu bizarre de dire ça, mais si tu n'es pas quelqu'un de bon, fais un effort pour être bon, mais fais pas semblant d'être bon. Je ne sais pas si tu vois la nuance. On ne va pas rentrer dans le détail. Mais ça, c'est important d'assumer pleinement qui on est. Alors, quelle est la définition de bonté? En tout cas, moi, ce que je peux te dire, c'est que quelquefois, je vois des comportements que je n'estime pas bons. Ok, je mets des guillemets, parce qu'on n'a certainement pas la même définition de la bonté.
Et ça marche en fait, des gens un peu cash dans la vie, un peu brut. Moi, je suis pas comme ça et j'ai appris à l'accepter. Parce que pendant longtemps, tu vois, j'étais, tu vois, par exemple, quand je discutais de politique, j'étais toujours le gars à être plutôt centre, à nuancer. Ouais, non, la gauche, c'est un peu trop ça et la droite, c'est un peu trop ça. Moi, je peux, voilà. Et ce que je veux dire par là, c'est que la bonté ne veut pas dire la discrétion ne veut pas dire s'effacer. Sois toi-même dans le respect des gens, évidemment. Deuxième chose, la bonté va avec la force, en tout cas la vraie bonté, si tu me permets. Si tu es bon et que tu vois quelqu'un tomber par terre, tu vas l'aider à se relever. Ça, c'est assez évident. Parce qu'on est dans le monde matériel et physique et ça se voit. Mais dans tout ce qui est invisible, dans ton business par exemple, est-ce que tu fais preuve de force, d'action? Et ça, j'aimerais vraiment insister sur ça parce que les coachs, souvent, on est beaucoup dans la réflexion. Et il n'y a rien de mal, hein. C'est-à-dire, si tu savais toutes les pensées qu'il y avait dans ma tête toute la journée, les livres, les masterminds, ouais, moi, je suis à fond dans la réflexion. Mais sois à fond dans la réflexion en étant à fond dans l'action. Parce qu'il y a une réalité économique, hein, et physique et business, c'est que si tu n'es pas suffisamment dans l'action, tu n'auras pas de résultat et du coup, tu ne pourras pas vivre de ton activité. Donc ça, c'est important que tu sois bon dans l'action en étant fort. Une expression de la force, c'est l'action et que ce ne soit pas une bonté faible. Et troisième point que j'aimerais te partager, c'est la bonté dans le leadership. Un exemple que je peux te donner, c'est que ça rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est cette idée d'être bon et d'être un peu, je vais chercher à plaire aux gens de mon équipe, je vais leur demander et s'ils sentent que c'est pas bien, je vais y aller un peu à reculons. Les clients, je vais essayer de plaire aux clients, de leur donner ce qu'ils veulent et d'en faire toujours un peu plus, mais peut-être pas toujours pour des bonnes raisons. Et un leader, c'est à un moment donné se dire « Ok, là, je vais un peu à contre-courant. Les gens, ils vont peut-être pas me suivre. Ils n'ont peut-être pas totalement compris. Ça va leur paraître peut-être brusque et insensible que j'aille à l'opposé de ce qu'ils pensent. Mais je suis un leader, en fait. Et je pense que c'est bon pour moi déjà, mais c'est bon pour le futur. Et un leader, il va réfléchir au futur. C'est-à-dire que si tu réfléchis en termes de bonté que sur du court terme, tu vas prendre des choix qui vont potentiellement nuire au long terme. Et un bon leader, c'est celui qui cherche la bonté sur du court, moyen et long terme. Et à la limite, j'ai plus envie de dire qu'il va chercher sur du moyen et long terme sans sacrifier le court terme. Mais si parfois il doit sacrifier des choses sur le court terme, il faut le faire. Typiquement, ces dernières années, j'ai un peu sacrifié mes amis, par exemple. Je ne sais pas ce qu'ils en pensent, quoi, j'ai un peu une idée. Mais en fait, je le fais pour moi, pour ma famille, pour mon business, pour les clients, pour toi. Pour moi, c'est important de savoir faire preuve de sacrifice un peu. C'est-à-dire que cette bonté-là, parce que sur le court terme, la bonté, ce serait de passer un coup de fil à tous mes amis tous les mois pour prendre leurs nouvelles. Et non, je ne veux pas être dans ça. Par exemple, ce mois-ci, c'est la deuxième fois que je suis en mastermind. C'est peut-être le sixième, septième jour que je laisse mon épouse seule avec ma fille. Je pourrais culpabiliser, mais Lingen, tu n'es pas un bon mari, tu n'es pas un bon père. Alors, ce n'est pas l'idéal. Je fais rarement ça dans l'année, normalement, quoi, autant de fois. Mais par contre, je ne culpabilise absolument pas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas là, genre à la plage, en train de faire, de souffrir, quoi, de bronzer en faisant rien pendant que mon épouse s'occupe de ma fille. Je suis en train, là, même si je prends énormément de plaisir et que je m'amuse, en train d'investir dans ma vie professionnelle, mais ma vie familiale aussi. Donc la bonté, c'est aussi cette capacité à avoir plus moyen et long terme. J'espère que ça te parle. J'espère que ça te fait réfléchir.
Et n'hésite pas à réagir en commentaire à cet audio boost, je serais ravi de t'entendre. Et tu le sais, on a un programme qui s'appelle le programme Coach en Mission. Si on fait ce summer camp et on fait ces audio boosts, c'est aussi en toute transparence, et non seulement j'ai aucune honte à le dire, mais je t'encourage à faire la même chose, c'est aussi pour te donner un aperçu de ce que tu peux vivre, j'allais dire au quotidien, mais ouais, quasiment au quotidien avec nous. Avec moi, avec mon équipe, avec les autres membres du programme Coach en Mission que je kiffe. Et si tu veux vivre ça, cette bonté, cette bienveillance, mais sans être faible, sans être désaligné et non authentique, sans manquer de leadership, on peut t'aider là-dedans, à travers qui on est, à travers la communauté, mais aussi à travers des conseils concrets. Donc si tu es intéressé, je t'invite vivement à postuler. C'est très simple, en dessous de cette vidéo, il y a un lien, tu cliques dessus, tu remplis tes coordonnées très brièvement et puis tu accèdes à une vidéo. Cette vidéo va te présenter le programme Coach en Mission. Je le fais rarement normalement comme ça. Normalement, tu sais, c'est toujours un peu caché et puis on parle du prix à la fin, etc. Quand on parle du prix que au téléphone. Là, tu as toutes les infos sur le programme Coach en Mission. Pourquoi? Parce que c'est une offre de lancement et que je ne pouvais pas prendre tout le monde en appel. Donc, cette vidéo va faire un filtre. Tu regardes cette vidéo, ça t'intéresse, génial. On se fait un appel et on voit si c'est bon pour toi. Ça t'intéresse pas, c'est génial. J'espère que tu trouveras autre chose de plus adapté à ta situation. Et si tu hésites, c'est génial aussi. On se fait un appel, on discute. Et puis, si tu as quelques questions, des choses qui te retiennent, on en discute. Et évidemment, tu es libre, tu seras libre de faire le choix que tu voudras. Je te souhaite le meilleur, une bonne journée. J'ai envie de t'encourager à continuer à être bon et à continuer à être dans l'action. Et si c'est avec nous, c'est cool. Si c'est pas avec nous, c'est OK. Je te dis à très bientôt. Ciao.